fait chier, mais bon, qu'est-ce que tu veux, hein, fais comme ça. Viens, faut bien déconner un peu, c'est la poisse. Toi, mon sel, t'as pas de barrer. Bah oui, regardez, mon sel. Donc voilà, ouais, comme on dit, j'ai joué un jeu, il y a pas si longtemps, hein, un petit jeu, un petit fétiche à la noix. Vous savez combien j'ai gagné? 0 tracas, 0 blabla. Comme ces fameux MMA. Ben ouais, bon bref, faut bien rigoler. Bon. Sinon, ouais. Bah écoutez, je voulais faire juste un petit truc là. Ah oui, j'ai envoyé un petit message, une petite vidéo là hier. Pourquoi je dis ce que je pense, hein? C'est pour des certaines personnes qui aiment bien foutre le bordel sur YouTube. Faire des mauvaises images d'autres personnes, et qu'en réalité c'est eux-mêmes, bien sûr, qu'il est en prison la personne. Elle est en prison, tout à fait. Donc cette personne-là, qu'elle y reste. Bien sûr qu'elle y reste forcément, parce qu'elle mérite d'y rester. Ça fait quoi? Ça fait 2 ans d'harcèlement, sur d'autres personnes. Avec moi c'est 2 ans, mais avec d'autres personnes c'est un peu plus. Bref, et ce qui est un peu dommage, c'est qu'il prenait jeuxvideo.com, alors il accusait jeuxvideo.com, il accusait Kirby54, il accusait il accusait aussi James Core, il accusait The Man, etc, etc, etc. Cette personne-là accuse les autres, et en réalité, c'est lui-même qui fout le bordel. Bah, il a été arrêté, ça a été prouvé, ça a été bon, et c'est bien. Et ça me fait rigoler, en plus, parce que, comment dire, il accuse les autres, et c'est lui-même qui se fait mal voir. Bah, voilà, bah. Alors, d'après ce que je sais, il est en prison. Alors moi, à mon avis, il est peut-être sorti parce que il n'y a pas si longtemps que j'ai vu une de ses vidéos, sa dernière. Et ça m'a étonné parce que 6 mois de vidéos non-stop, ça veut dire 6 mois de vidéos stop, quoi, pendant 6 mois, il n'a pas fait de vidéo. Et après, ça fait quoi? Ça fait un mois et demi, ouais, que j'ai vu cette vidéo. Hop. Sa vidéo, c'était quoi? C'était toujours en train de faire son petit guignol à 2 balles. Et hop là. Donc, alors, pour faire des choses comme ça, vous voyez, c'est pas intéressant. Donc, pour lui, c'est des belles vidéos c'est marrant ces vidéos, mais en réalité, il n'y a rien de marrant. Simplement. Donc, moi de mon côté, ça me fait plutôt rire. Je suis le genre de personne qui se croit au-dessus des autres, mais qu'en réalité, c'est une simple mauviette qui vaut rien. Alors le plus marrant, c'est quoi? Les gens qui me demandent d'aller à la gare du Nord. À la gare du Nord. Et quoi faire? Quoi faire la gare du Nord, en fait? Pourquoi aller à la gare du Nord? Qu'est-ce qui est intéressant à la gare du Nord avec les tractions avant et les tractions arrière et l'autre là qui fait du. Et l'autre qui fait du MMA, l'autre qui fait du MMA et qui va tuer un gorille, etc. Et tout ça là, ça vaut rien. Vous comprenez pas que Papy Tricot vous manipule? Ah, bah voilà, oui, j'ai dit son nom, Papy Tricot. Donc le titre ne sera pas Papy Tricot. Les personnes qui méritent d'être en prison, c'est ceux-là. Tout simplement. Même harceler les journalistes, tout ça, c'est. Je sais pas. C'est quoi votre amusement? Je ne sais pas, ça sert à quoi votre amusement? Pour vous, c'est de l'amusement, mais pour d'autres, c'est pas de l'amusement. Hein,
pour d'autres, c'est pas d'amusement, c'est plutôt de l'emmerde. Mais ben, qu'est-ce que tu veux? On verra. Donc ben, moi, je dis juste ce que je pense. Tout simplement. Bah ben, oui, je suis un peu déçu des gens comme ça, qui fait couler une société facilement. Qui préfèrent, qui est dommage, moi j'ai gardé tous ces commentaires. Faudra que un jour je voyage dans les commentaires et vous faire montrer ce qu'il écrit. Tout simplement. Vous faire montrer ce qu'il écrit, comme ça sera plus simple. Vous faire comprendre ce qu'il est réellement, votre meilleur ami Papy Tricot. Un fouteur de merde, il n'y a pas que lui bien sûr, mais bon. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Mais par contre, c'est le meneur de l'affaire. Alors, il accuse les autres, il téléphone aux personnes, voilà, ouais, c'est moi Papy Tricot, voilà. Vous savez, plus on me téléphone comme ça, bah, plus ça me fait rigoler. Mais bon, moi j'ai besoin de vous dire parce que ça me fait rigoler votre histoire. Donc, ça me fait rigoler. Vous savez, juste insulter les gens, prendre les gens pour rien que rien, et qu'en réalité, vous-même, vous n'êtes rien. En plus, vous êtes des mômes, alors là, c'est pire. Alors, moi, je vais revenir sur une petite histoire. Qu'est-ce que vous avez comme idée de téléphoner aux sociétés, non, oui, aux sociétés, ou commander par Internet, des pizzas, à 1h du matin? Presque 2h du matin comme ça. Qu'est-ce qu'il y a dans votre cervelle? Qu'est-ce qu'il y a dans votre cervelle de merde? Parce que vous, franchement, vous téléphonez, vous faites, vous dérangez les sociétés, vous faites gâcher la nourriture comme ça, vous bande de mômes de merde. C'est pas bien ce que vous faites, parce que vous n'êtes pas intelligent. Si on pouvait interdire le téléphone portable, envers vous, c'est franchement, c'est quelque chose de vraiment important. Très très important. De le supprimer définitivement, ce serait bien. Que vos parents vous mettent, je sais pas moi, même vous dites que c'est les autres qui sont, ouais, sont mal éduqués, mais c'est vous-même qui êtes mal éduqué. Ouais, vraiment, vraiment grave. Bref. Voilà, ça me fait rire. Mais ça me fait pas vraiment rire parce que une société qui tourne, qui est en train d'envoyer des commandes, et que ça se paye, ces commandes-là. Mais quand la personne va envoyer, c'est payant. Donc vous gâchez en plus du gasoil, de l'essence, ça dépend comment roule le véhicule, si c'est de roue, si c'est voiture. Donc, c'est pas intéressant. Quelle chance que la personne m'a téléphoné. Moi, j'ai dit non, c'est une fausse commande. Hein. Bah oui, c'est une fausse commande, et pizza. On va faire de laquelle, comment. J'ai même dit un truc, il faut arrêter. Je ne sais pas comment vous êtes, vous, mais quand vous partagez vos vidéos, partagez plutôt des choses bien, pas des conneries. C'est pour ça que votre forum ne vaut rien. Vous avez un forum qui vaut que dalle. Mais vraiment, que dalle. Que de la haine. C'est tout. Pour vous, c'est un amusement. Pour vous, c'est un amusement. Pour moi, ça me fait plus que rire qu'autre chose. Parce que vous n'êtes responsable en vous-même. Le jour où vous aurez une société, vous n'aurez pas duré longtemps. Parce que vous coulerez demain. Voilà. Bon, bref. Voilà ce que je voulais dire. En gros, des personnes comme ça, qui ne servent à rien. Qui utilise des sociétés, d'eau d'une société, de s'amuser avec, de se prendre ce qu'on n'est pas. Donc, vous pouvez être au beurre, noir, rave, tout ce que vous voulez. Mais quand vous êtes sur Internet, ne critiquez pas l'autre. Regardez vous d'abord ce que vous êtes. Blanc même, hein. On va dire le mot blanc directement, comme ça vous allez bien comprendre. Que vous-même n'êtes pas responsable, vous n'êtes responsable. Bref, c'est chiant de parler de ça. C'est pas mon but de parler de vous, mais aujourd'hui j'en parle parce que il y a un truc qui m'énerve,
entre guillemets, des gens qui savent tout, mieux que tout. Voilà. Donc voilà, c'est con, c'est comme ça. Ouais, moi, c'est tout ce que je voulais vous dire en gros. Voilà. Donc, les injustes, les... J'ai raison de bloquer ce petit monde-là. J'ai raison. Donc, jeuxvideo.com, évitez de rentrer dans les chaînes des autres. Occupez-vous d'abord de vous. Et... occupez-vous d'abord de vous. Et en plus, c'est Papy Tricot qui vous a mis cette histoire dans votre petite cervelle de merde. Donc voilà. Donc c'est bien de vous amuser, de foutre la gueule des gens. Voilà, c'est bien, c'est bien. Amusez-vous bien. Mais il y a beaucoup de choses que je peux vous dire. Hein. Vous n'êtes pas informé de beaucoup de choses. En réalité, vous êtes informé de rien du tout. C'est tout. À part juste embêter. Ben voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà. Bah, j'espère que cette vidéo sera un peu correcte en termes de bruit, parce que quand j'ai remarqué quelque chose en ce moment, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de petits merdeux qui dislike une vidéo. Donc vous savez, hein, vous apporte quoi exactement dans le monde? Rien du tout. À part, vous suicider, quoi. Vous ne servez à rien sur Terre. À part vous ne servez à rien du tout. Parce que vous dislikez vous-même. Et en plus, moi-même, ça me fait trop rire, surtout. Voilà. Bon, allez, salut. Et belle vidéo pour ceux qui ont compris. Bye bye.